monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette toute dernière session des stages vacances de football à Castelmaurou. Je vous présente donc l'un des derniers JT de l'année. Je vous présente donc le premier en ce mercredi 26 octobre. On commence sans plus attendre avec le traditionnel résumé de la journée. Sébastien vous présente un petit peu l'ensemble de la journée, la partie football, mais également la prise de connaissance avec les enfants, la première prise de contact. Je vous laisse découvrir ça en images. C'est donc avec un timide soleil que la journée a débuté sur le centre régional technique à Castelmaurou. Une quarantaine de stagiaires ont rejoint le stage VFE donc pour ces vacances de Toussaint 2011. Ils sont venus ici fouler les pelouses de la plaine de jeu dans un premier temps pour des exercices techniques, pour approfondir leurs connaissances de jeu par la même occasion. Ils ont été divisés par groupe, par catégorie d'âge. On trouve donc le groupe de Lille, puis de Marseille et du Paris Saint-Germain. La matinée s'est terminée par des jeux réduits avant de rejoindre l'internat donc, qui a été rénové entièrement à neuf depuis cet été. Les enfants se sont installés par deux dans les chambres et ont ensuite mangé sur place. Petite animation en début d'après-midi, puis photos de groupe et individuelles. Et c'est parti sur les terrains pour une séance basée sur les centres et reprises. Devant le but, donc des centres au sol, aérien, et du jeu de volée. Les joueurs nous ont gâtés avec un joli spectacle et de très beaux gestes techniques corrigés par les éducateurs. Le goûter pour se ressourcer, faire le plein d'énergie et c'est reparti pour des jeux et des oppositions pour les deux groupes. Voilà, la journée s'est très bien passée dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Ce soir, c'est vidéo TV donc sur la Coupe de la Ligue avant d'attaquer une très grosse journée pour jeudi. Vous retrouvez une rubrique également classique de ce journal télévisé, il s'agit du challenge Powerhead. Aujourd'hui c'est le groupe de Romain, des moyens qui s'y collent. On retrouve l'ensemble de ce challenge en image, mais également les réactions du gagnant, il s'agit de Thomas. Se concentrer et bien viser la main. Également, ces trois jours, trois groupes, vous retrouverez chacun de ces groupes pour se présenter un par jour. Donc, il s'agit du groupe de Jérémy aujourd'hui, les enfants nés entre 2003 et 2004. Ils sont donc tout jeunes, de jeunes footballeurs en herbe. On les écoute et en plus de ça, on apprend à les connaître en sachant leur équipe préférée, mais également le joueur qu'ils admirent. Donc, bonjour, je m'appelle Jérémy. J'ai en charge le groupe du PSG, année 2003-2004, et donc je vais vous présenter mon groupe. Louis Touac, Clément Saint, Club, Pierre Villemur, Noah Villemur, Nathan Cruzza, Clément Castelmaurou, Charlie Desplanc, bonjour, Enzo Saint-Club, Baptiste Colomier, Mathis Ilias Revel, Maël Touac. Quel est ton joueur préféré ? Ronaldo. Messi. Zidane. Messi. Zidane. Loris. Benzema. Benzema. Zidane. Messi. Daniel Bratten. Messi. Quelle est ton équipe préférée ? Barcelone. Barcelone. France. Barcelone. France. Manchester United. Paris. Barça, TFC, Barcelone. On continue avec le traditionnel challenge animateur contre stagiaire. Aujourd'hui, Morgane se mesure à son éducateur, il s'agit de Yann. On regarde le résultat de ce duel. A priori, l'expérience a fait parler d'elle. Bonjour Yann, celui qui touche le plus. Je te défie à celui qui touche le plus de fois.
Avant de clôturer ce journal, nous vous présentons le menu de la journée, celui de ce midi, mais également la surprise de ce soir. Il s'agit de Louis qui s'improvise en chef cuisinier. Bonjour, je m'appelle Louis et je suis le nouveau chef cuisinier du jour. Aujourd'hui, nous avons mis feuilleté de fromage, émincé de dinde, pommes vapeur et carottes et raisins. Ce soir, ce sera la soirée à Louis. Avant de clôturer ce journal, Mathis vous présente la météo de demain, même si bon, nous sommes au mois de novembre et le climat n'est pas forcément au rendez-vous. On va essayer de profiter de la journée, tant sur les terrains qu'en dehors. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on a bien pu profiter du football, mais une journée très ensoleillée, mais demain on entend la pluie. Regardez là, sur la carte, vous avez vu, il y a la pluie. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, à demain. Voilà, c'est la fin de cette toute première édition de la dernière session des stages vacances de football à Castelmoro de cette année. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure pour de nouvelles aventures. Merci.